Nous voici à bord de la Kia EV6, une voiture 100% électrique. Alors on l'a choisi pour un défi assez particulier, c'est de se dire est-ce qu'il est possible de partir en vacances en voiture électrique, en famille et avec les bagages. Alors l'idée et le défi que nous allons relever, c'est de partir dans le sud de la France. Est-ce qu'on peut le faire en 2 jours? En principe, avec une étape, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais surtout, est-ce qu'il est possible de le faire en une journée complète, au départ de Nîmes à 1000 km de Bruxelles? Est-ce qu'on va réussir le défi? C'est ce que cette vidéo va vous présenter. Alors, la voiture que l'on a choisie pour cette route des vacances, en mode 100% électrique, c'est la Kia EV6. Cette version-ci, avec la finition GT Line que l'on a essayé, coûte 57 000 euros. Il existe aussi des versions en 2 roues motrices avec un moteur à l'arrière, donc c'est une propulsion, avec également une grande batterie, c'est un peu moins cher, 50 000 euros environ, voire même une version avec une batterie un peu plus petite qui fait 44 000 euros environ. C'est quand même une voiture qui coûte plus de 40 000 euros, voire plus de 50 000 euros. Ceci dit, elle nous a beaucoup plu lorsqu'on a essayé le prototype de pré-production. Elle normalement devrait nous permettre de réussir ce défi, de faire notre trajet, de faire notre voyage dans les délais que l'on s'est imposés. Eh oui, 100% de batterie, on voit sur l'écran qui est ici. Petite visite dans la famille, du coup la voiture est branchée sur une prise classique qui se trouve à l'extérieur de la maison, pas de borne ici. Heureusement, nous allons passer la nuit parce que la voiture sur ce type de prise, eh bien ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps pour recharger. On va d'ailleurs regarder le temps qu'il lui faut. On rentre dans l'habitacle et regardez ça, 25 heures de charge alors que la batterie est à 57%. Pourquoi? Parce que nous sommes sur du monophasé et ça prend donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Une chose importante quand on a une voiture électrique, c'est qu'il faut éviter que la voiture soit gelée, parce qu'on va perdre beaucoup d'énergie pour la dégeler. Alors un truc tout simple, c'est quand elle est en charge, eh bien il suffit de programmer la climatisation pour que la voiture soit à bonne température au moment du départ. Donc ce qu'on va faire ici, on va donc programmer la climatisation pour le départ du lendemain. Voilà, petit coup de programmation, on part samedi à 9h. Ok, et la voiture est prête, c'est-à-dire que pour demain, en principe, la voiture sera à bonne température. Et surtout que la nuit s'annonce froide, donc c'est une bonne chose pour éviter de devoir dépenser trop d'énergie pendant que la voiture roule. Nous voilà au nord de Paris, à Compiègne, le long de l'autoroute A1. C'est la première borne rapide sur l'autoroute A1 quand on se rend sur Paris. Un petit truc, c'est qu'il faut sortir de l'autoroute, faire demi-tour après la barrière de péage pour aller dans l'autre sens vers Lille. Et ensuite, il y a moyen de faire demi-tour sur l'aire de service pour rejoindre la direction de Paris. Ce sont des bornes de 175 kW. La voiture ici charge pour le moment à 60 kW, me promet une recharge à plus de 80% en 20 minutes, ce qui nous laissera le temps de tranquillement descendre jusqu'à notre prochaine étape, Orléans. Mais on fera d'abord un petit crochet par Paris. Nous voilà maintenant à Orléans, du moins au nord d'Orléans, après plus de 224 km depuis Compiègne. La batterie était encore assez chargée, on avait encore à peu près 20%, mais on va bientôt s'arrêter. Et donc on est dans une station Ionity qui se trouve en fait dans un zoning. Et vous voyez, il n'y a aucun service disponible. Alors nous sommes dans l'Indre, ça fait 170 km que l'on a quitté Orléans, on a décidé de s'arrêter ici pour une charge rapide. La voiture avait encore assez d'autonomie pour rejoindre une autre borne, mais on a préféré prendre un peu d'avance. Pourquoi? Parce qu'on va arriver sur une zone où il sera plus difficile de charger en direction de Montauban et de Toulouse. Alors on a aussi laissé la climatisation allumée, ce qui ralentit un petit peu la charge, mais on a quand même une charge à plus de 130 kW, donc c'est quand même pas mal, ce qui permet de recharger très rapidement. On en aura pour 20 minutes maximum pour atteindre 90% de batterie, ce qui nous laissera suffisamment d'autonomie pour rejoindre la prochaine borne. Alors il faut savoir aussi qu'on est dans la voiture parce que la météo n'est pas très encourageante, qu'on sort de l'hôtel, on a pris le petit déjeuner il y a moins de 2 heures, donc on n'a pas vraiment envie de café. Mais donc là, attendre dans la voiture, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et donc on a aussi laissé l'air conditionné tourner pour que la voiture soit à bonne température et surtout
que la voiture n'ait pas de buée sur le pare-brise avant de démarrer, parce qu'on perdrait de nouveau une partie de l'énergie à désembuer la voiture au démarrage. Nous sommes à Brive-la-Gaillarde, à la station Unity, où se trouve WeBorne. On a placé la voiture il y a maintenant 15 minutes, on était à 43%, on est quasiment à 73%, c'est-à-dire qu'on a récupéré 30% de la batterie en une quinzaine de minutes. La charge se fait à peu près à 130 kW, ce qui est pas mal. Ceci dit, cette voiture peut beaucoup mieux, mais on est quand même à une charge très rapide. Donc en principe, si on attend encore une dizaine de minutes, on devrait arriver au-delà des 80%, ce qui nous permettra de continuer notre route vers Toulouse. Bienvenue au Born Unity entre Montauban et Toulouse. Alors, comme vous le voyez, c'est un endroit désert. En fait, nous sommes un dimanche, donc il n'y a pas grand monde. Nous sommes devant une énorme station pour poids lourds dans une zone industrielle et nous avons des bornes Unity qui sont très efficaces. Donc, heureusement pour nous, on ne doit pas attendre trop longtemps, une dizaine de minutes seulement, pour charger la voiture. Mais c'est quand même une dizaine de minutes sans activité à faire, hormis attendre ou se balader au milieu des usines. Donc là, on va charger ce qu'on a besoin et puis on va repartir parce que c'est vraiment pas sympathique comme endroit. Nous voilà à Carcassonne après une journée de route au départ d'Orléans. La route a été un peu plus longue que prévu, mais à cause des embouteillages, puisque finalement nous avons fait les recharges qui étaient prévues sur des bornes rapides le long des autoroutes ou à proximité des autoroutes. Maintenant nous sommes à l'hôtel, la voiture avait encore 50% de batterie, et ce qui est bien dans cet hôtel, c'est qu'on peut brancher la voiture sur une borne de 7 kW, ce qui permet de recharger durant toute la nuit. La voiture sera à 100% demain matin. Après 2 jours de route, voici une petite journée de pause. Enfin, pause, on fait les séances photo aujourd'hui pour illustrer notre reportage. Nous nous trouvons le long du canal du Midi, pas loin de Carcassonne. Carcassonne où cette nuit, notre voiture nous a fait une petite surprise. La borne s'est arrêtée, donc on n'est pas à 100% de batterie. C'est quelque chose qui ne pourra pas nous arriver demain, sinon le voyage vers Nîmes sera compromis puisque nous prendrons les petites routes sans capacité de recharge rapide. En tout cas, la météo est un peu mieux que ce matin, on a eu un peu peur. C'est pas parce qu'on est au sud qu'il fait toujours très beau et on vous retrouve pour la suite de nos aventures. Nous avons fait 300 km depuis ce matin à Carcassonne. Nous sommes maintenant sur le parking du pont du Gard, sur le parking de la rive gauche, où nous avons des bornes de recharge, ce qui permet à la voiture de récupérer un peu d'énergie pendant la visite. C'est une borne de 7 kW, ce qui veut dire à peu près 10% en une heure. Alors, on a fait 300 km, il nous en reste encore 130 km, 35% de batterie, parce qu'on a roulé sur des départementales à des vitesses moyennes de 80 km/h, ce qui a permis donc de réduire la consommation d'électricité. Grâce à la visite qu'on fera ici au pont du Gard, entre 1 heure et 2 heures de visite à peu près, on peut récupérer entre 10 et 20% de batterie. En tout cas, on a largement de quoi nous rendre maintenant vers Nîmes et notre hôtel pour la dernière étape avant le retour des 1000 km. Alors nous sommes à Nîmes, près des arènes de l'époque romaine, il est 8h du matin et on va bientôt partir pour notre long trajet de 1000 km pour retourner en Belgique. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y avait pas de borne à l'hôtel ici à Nîmes. Nous sommes donc avec une batterie pratiquement vide et il n'y reste plus qu'une centaine de kilomètres. Donc premier arrêt obligatoire sur l'autoroute avant de pouvoir remonter vers la Belgique. Nous sommes sur l'aire de service de Tavel Sud sur la A9 près d'Avignon, où nous sommes à une station Unity pour recharger la voiture puisqu'on n'a pas pu le faire à l'hôtel. Alors en 20 minutes, elle est passée de 20 à 80%. Maintenant, c'est un peu plus lent et c'est normal. On attend déjà depuis une bonne demi-heure. On est à 90%. D'ici une petite vingtaine de minutes, on sera à 100%. Peut-être qu'on partira un petit peu avant. En tout cas, on a dû attendre entre 40 et 45 minutes pour avoir les 100% de batterie. Donc c'est déjà évidemment un peu de temps perdu. Tout ça parce qu'il n'y avait pas d'équipement à l'hôtel. On vient de faire plus de 2h30 d'autoroute, 270 km. Pas de problème de stress, pas de problème d'autonomie, puisqu'il nous reste encore 27%. Maintenant, on l'a mis sur la charge rapide Unity, qui nous promet une recharge en 25 minutes à peu près. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis la prise, on est allé dans la boutique, on a fait une petite course, on est revenu, on était déjà à presque 70%. C'est-à-dire qu'on pourra repartir dans 5 ou 10 minutes pour pouvoir rejoindre notre prochain relais. Et surtout, on a décidé de manger en dehors de l'autoroute parce qu'on a vraiment du temps devant nous, on n'est pas stressé, les charges se passent toutes très bien. Alors on a fait un petit arrêt imprévu sur l'autoroute parce que un peu après Mâcon, on a découvert qu'il y avait maintenant une nouvelle station Fastnet qui s'est installée en France. Fastnet, c'est un fournisseur hollandais qui s'installe tout doucement dans l'Hexagone. Alors on fait une charge rapide juste pour montrer, après on va vite repartir. Mais ce sont des charges rapides comme Unity ou Total qui permettent de faire des recharges à 150 kW, voire au-delà, parce que celle-ci est à 300 kW si la voiture le veut bien. Donc
Fastnet, un nouveau fournisseur qui permet encore de faciliter les déplacements en longue durée. Le premier bilan qu'on peut déjà tirer de cette expérience de conduite sur un long trajet vers le sud de la France, c'est que sur le réseau autoroutier français et sur le réseau payant en particulier, on trouve assez facilement des bornes de recharge rapide, c'est-à-dire qui permettent de recharger à plus de 150 kW. Alors pour que cela fonctionne, bien que souvent la voiture sera plus aux alentours de 125 kW qu'au-delà de 150, il faut deux conditions. C'est d'abord que la voiture ait une autonomie suffisante sur autoroute, au moins 300 km, c'est-à-dire une bonne batterie d'au moins 77 kWh, et ensuite qu'elle soit dotée d'un chargeur rapide, qui lui aussi peut accepter au moins 150 kW. Ici, la Kia EV6, non seulement elle a une grande batterie de 77 kWh, mais elle a également un chargeur qui peut aller jusqu'à 240 kW, ce qu'on n'a jamais obtenu pour l'instant. Il nous reste encore 450 km et une seule charge, près de Reims. Alors, on a aussi eu des petits couacs. Il y a eu une borne qui s'est arrêtée. On a aussi eu une autoroute où les bornes étaient hors service durant notre passage entre Toulouse et Carcassonne. Heureusement, on avait chargé juste avant Toulouse, donc on avait assez pour rentrer à l'hôtel. Là aussi, dans les hôtels, ils ne sont pas tous équipés de bornes, ce qui fait que parfois, on doit partir avec la charge qu'on avait à l'arrivée à l'hôtel, qui n'est donc pas suffisante que pour pouvoir faire un premier long trajet. Il faut donc rapidement trouver une borne rapide et à encore perdre 20 à 30 minutes, voire un peu plus, pour recharger la voiture avant de pouvoir continuer son voyage. Donc il est temps que les hôtels et que les réseaux d'hôtels, en tout cas, fassent le nécessaire pour pouvoir offrir à leurs clients des bornes de recharge. Ah bah ici on a eu très chaud. Pourquoi? Parce qu'il nous reste 6% sur la station avant de charger. Ce qui s'est passé, c'est qu'on roule depuis 2h40, on a fait 274 km, mais surtout, nous sommes dans une région où il y a beaucoup moins de bornes que sur le reste de notre parcours. En fait, j'ai ici un petit plan de route avec toutes les bornes et je devais absolument charger sur cette borne qui se trouve à Reims, en direction de Paris. Sauf qu'en direction de Paris, toutes les bornes étaient prises et vu les véhicules qui y étaient et les écrans, on savait qu'on en aurait pour un petit bout de temps. Alors, on a pris le risque de continuer vers Paris pour faire demi-tour, pour aller prendre la borne qui se trouve dans l'autre sens, dans le sens qui retourne vers Reims, ce qui rallongeait encore notre parcours d'une trentaine de kilomètres, juste à la limite de l'autonomie de la voiture. Donc, en coupant l'air conditionné et en réduisant la vitesse sur autoroute et en jouant intelligemment avec la régénération au freinage, on a réussi à arriver à la station avec 6%, c'est-à-dire 10 kilomètres d'autonomie. Alors, là, il n'y a personne. Dans ce sens-ci, il n'y a vraiment personne. On est vraiment tranquille. Alors que l'autre côté, c'était déjà plein. Toutes les bornes étaient prises avec des gens qui attendaient. Donc, c'était vraiment plein. La voiture nous annonce une vingtaine de minutes pour recharger à 80% et 40 minutes pour charger à 100%. Alors, on va prendre notre temps. Pourquoi? Parce que de Reims à Nivelles, où il y a une borne rapide aussi, qui est en fait notre dernière étape, il y a entre les deux la borne Ardennes-Voynic. Sauf que la borne Ardennes-Voynic, lorsqu'on a fait notre voyage préparatoire, eh bien, on sait que ce n'est pas une borne fiable. Donc on va s'y arrêter quand même pour essayer de gratter quelques pourcents d'autonomie. Si ce n'est pas possible, on sait normalement rentrer à Nivelles avec 100% sur la batterie. Encore une fois, ça va être chaud. On le savait que la fin du parcours serait délicat. Et bien voilà, notre voyage est terminé. On est parti de Bruxelles et du Brabant Wallon vers le sud de la France, Carcassonne et Nîmes, pour remonter ensuite vers la Belgique. À ce voyage qui s'est passé plutôt sans embûches, on a eu quelques stress évidemment avec les batteries qui étaient tout au bout de leur autonomie et quelques bornes qui étaient un peu récalcitrantes. On a quand même pu charger à du 220 kW, ce qui est pas mal, surtout que la batterie était fort vide à ce moment-là. Donc pour le reste, on peut dire qu'on a réussi le défi. Il est donc possible de partir en vacances dans le sud de la France en voiture électrique.